Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne MonkeyJV. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau jeu sur la chaîne, un jeu que je ne connais pas, que j'ai envie de regarder si ça me plaît ou pas. Ça s'appelle Weird West, c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on va voir, ça a l'air d'être assez atypique comme jeu, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, petite découverte avec vous pour voir ce que donnera Weird West, donc une sorte de Far West assez étrange. Donc on va voir, c'est dans le titre. Je lance le jeu. Il me semble qu'il y a une cinématique au début. Donc on va tout de suite même mettre le mode jeu. Hop là. Normalement ça devrait se mettre à jour. Effectivement, il y a une cinématique. Voilà. Be a hero, a scoundrel, and anything in between. Play your cards right, and coming out here could be the best thing that ever happened to you. If you can survive, that is. Because here's the thing, this ain't quite the Wild West as you know it. There are ancient powers at war with each other. Okay. Strange entities lurking in the dead of night with their own rules and their own peculiar motives. No matter which side you take, you better watch yourself. Don't get me wrong. C'est bizarre. Rewards are waiting for those who are brave enough to unveil the mysteries out here in the land of opportunity. But opportunity can come at a pretty high price. Welcome to the Weird West. Weird West. Ok. Oh, sympa la musique, j'aime beaucoup. Ça a l'air très mystique, hein. Top, hein. Voilà, il va y avoir des trucs chelous. Putain, ça renverse un bison, wesh. What? Ça a l'air bizarre. J'aime les trucs bizarres. Mode en ligne, oui. Ah. D'accord. On va laisser, hein. Aucun compte sélectionné. Comme choix de touche. Alors, je sais pas si ça joue à la manette ou à la souris, on va voir. Ok, on est ok, je suis là. Let's go. À mon avis, c'est souriant vu comment c'est. Réclame mes étés jusqu'à ce que le symbole le plus sombre soit à peine visible. C'est quoi le symbole le plus sombre après? Ok. Alors, voyons ça. Les nuages empoisonnés sont inflammables. Avec une bonne préparation, vous pouvez sérieusement pourrir la vie de vos ennemis avec une simple étincelle. Ouais. Oula. Laisse-moi deviner, tu ne sais pas qui tu es ni où tu. Oula, je peux le temps lire. La marque est prête.
Revenu à les films, comptons sur toi. Oh, tu peux même pas crier. Notre quête commence. Alors, difficulté normale. Difficile, très difficile. Reste en moyen. Initiation, qu'est-ce que c'est? On va laisser. Les aimants crus peuvent être cuits sur feu de camp et réchauds pour rester PV. Ok. Quelque part dans l'Ouest. Used to be you were one of the most feared bounty hunters in all the West. But you gave that up. Buried your irons. Traded them for a normal life. Tonight, though, that's all gonna change. Destiny's calling. And it ain't taking no for an answer. J'étais un ancien chasseur de primes. Okay. Il n'y a pas d'inter, sale monstre. Il n'y a pas de ta terre. Pour l'adulte, tu le gamin, il n'y a rien à vous faire dessus. Allez, on se tient, je vais avoir un piqué. What? Smell of gunpowder. Your son dead in the dirt outside. Ah, and a burning at your neck. Like you've been branded with a cattle iron. Oh, je sors de là. Ah oui, ok. J'ai entendu des coups de feu, alors je suis venu tout de suite. C'est un coup de Stillwater que la crue les emporte. On dirait que les qu'ils ont attaqué toutes les fermes jusqu'à Galen's Crossing. Ils ont tué ton fils, crois-moi, ces salopards vont payer pour ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas vu ton âme sœur Alonso. Ils l'ont emmené, il faut agir vite avant que la piste refroidisse. Où sont-ils allés? J'ai pas vu par où ils sont partis, mais j'ai capturé un des Stillwater. Il est dans la prison des Crackles. Si on sait lui parler, ce chien pourrait nous apporter des réponses. Tu ferais mieux de reprendre ton revolver, j'ai l'impression que qu'on en aura besoin. Qui sont-ils? Il peut tenter de former une famille, sûrement des consanguins, oui. Ok. Ils étaient dans le trafic de munitions et d'alcool, mais maintenant ils enlèvent des gens. Quelque chose a changé et je veux savoir pourquoi. Je veux savoir quoi. Ça roule. Demandez où trouver une arme. Ma parole, tu as oublié, on a enterré ton vieux revolver avec le reste de tes affaires quand tu as raccroché. Une fois équipé, retrouve-moi à la prison. Je sais, tu pensais en avoir fini avec la vie de chasseuse de primes, mais n'en a pas fini avec toi. Tiens, prends ça, c'est un relais portable. C'est tout nouveau, ça permet de communiquer à distance si jamais on doit se séparer. Le portable, ok. Je te dirai bien un bon retour parmi nous, mais je vais m'abstenir. Ah, ok. Salut Tamo, comment tu vas? La forme? Petite découverte ce soir. Enfant, votre fils. Fouillé. On peut fouiller le gamin. C'est quoi? Oula. Un ours de Huck. Oh le chien. Oh non. Ah bah ouais, de la bouffe. C'est le mec. Oh non. Le chien. Oh de la bouffe. attends, faut que je trouve une pelle quand même. Ah, on peut zoomer. Ah yes, la pelle. Non, je vais quand même en tirer le gamin. Hein. C'est ça. Ah ok, putain c'est cool ça.
Vous trouverez de nombreux trésors enterrés dans des caches un peu partout dans l'Ouest. Votre pelle vous sera utile pour en déterrer certaines et enterrer vos morts. Mais ça va, merci, et toi? Je suis curieux de découvrir ce jeu-là. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Oh, mais ça lance une cinématique et tout. Ah ouais. Tombe vide. Creusée. Pourquoi vide? J'ai pas mis une gamin dedans? Cache creusée. Déterrez votre cache d'armes. Ah oui, d'accord. J'ai plus que les objectifs en haut. Hop là, mon petit équipement. The pistol's grip matches your palm exactly. All blue. Been a while. Cool. On peut redéterrer le fils. Hein? Il est où là? C'est quoi ça? Ouais, le pistolet, what? Ok. Ah, c'est pour s'entraîner, ok. Viser au pistolet, comment je vise? Ok. Oh! Et je tire où? Ok. Oh, je suis trop fort. R pour recharger. C'est un 6 coups, les amis. Attends, il y a une mine là-haut. Je vais aller chercher. Oh, on peut porter, excellent. Ah oui, non, je m'attendais pas à ça. Attends, je vais retirer à côté du gamin quand même. Merde, je l'ai fouillé, je sais plus. Salut Polo, comment tu vas? La forme? Oula, ça peut marcher. Merde, je redéterre. Mais arrête, voilà. Ah, ça ne dézoome, ok. On va peut-être le réenterrer. C'est la première fois de ma vie que j'enterre des cadavres dans un jeu, je crois. Et tu peux tout porter, ok. Ya. Yeah. Oh, ça lui fait des dégâts. Oh, le petit chien, quand même. Ah, il s'appelle Werewolf, mais non. Ah, va, Werewolf. On va le mettre à côté du gamin. Ah, je peux pas courir avec le, avec le corps, très bien. C'est là marrant ce jeu. On va mettre là. Ah, j'ai fait un cimetière. Boire. Ok, l'eau rend de la vie, c'est très bien. Bière. Ok, j'ai pris une bière. Voilà, j'ai fait tomber ça. Oh, je suis mouillé. Ah ouais. Pensez à tout. Alors comment je fais pour aller chercher les trucs là-haut là que j'ai vu dehors? Une échelle. Passer vers la fourche. On sait jamais hein. Clé de l'abri, pince. Râteau. Lampe. Ah ouais. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah merde! Oh le con! Vite l'eau. Je vais mourir. What? Au secours! Je vais mourir. Portez. Mais je suis vraiment mort. Vous avez succombé, c'est pas possible. Pire mort. Ah non. Très bien.
Ah, je peux taper la porte, regarde. On va laisser la lampe. Oh yeah. Un truc. Ok. Mais du coup, je sais pas comment on monte à l'étage. C'est quoi ? Il y avait des munitions qu'on aurait pu récupérer. Voilà, déverrouillé. La clé de l'abris. Étagère fouillée. Allez, du soin et tout. Pelle encore. Je vais peut-être pas prendre des 1000 pelles. Voilà qui est là utile. Pour utiliser un objet de conserve, appuyez sur W, X, C ou V. Ok. Ah. Ah. C'est hyper bien. Hyper bien. Ah, il faut que je boive. Merci, Polo. Ah, deux fois. Merci, merci. Hop. Tu m'en as remis un troisième, ma punaise. Heureusement, c'est pas l'alcool. Hop, là, qu'est-ce qu'il y a de beau. On va encore inverser le truc. Ah, il y a un os, c'est bien. L'inventaire, il est limité ou... Je pense pas. Hein. La maison, je suis allé à vite sorti, est-ce qu'il n'y a pas des trucs? Voilà. Quoi? Tissu taché. Sympathique cette petite maison. Il reste tous les sodok. Bon bah let's go. Eh hey, c'est en haut là, je sais pas comment on y attend. Ah bah je peux monter. Comment tu t'accroupis? Voilà. Allez, let's go. Jeanne Belle, viens de poster. Souper après la réunion au sanctuaire des esprits. Jeanne, je devrais finir le... Jeanne, je devrais venir souper la semaine prochaine après le prêche. Morgan fait son fameux ragoût de lapin que Huck adore. Proviens-moi la prochaine fois que tu viendras en ville. Albright, PS, j'espère que Huck aime son nouveau nounours. Chloé a voulu le coude spécialement pour son anniversaire. Ok. Le pauvre Huck, il est mort.
Ok, on va sortir de là du coup. Du coup, faut aller là, j'imagine. Les cris des oiseaux sauvages résonnent lourdement dans cette petite ville. Elle résiste encore malgré la végétation qui règne dans l'ouest. Deux jours, en trois heures de voyage. Ok, lire les nouvelles. N. Vous a récemment informé que le propriétaire du bordel de lanterne, l'antre de plaisir scandaleux tristement célèbre, près de la ville imbibée de vin de Cedar Flats, toujours plus long la phrase, a disparu depuis quelques jours. On ignore si ces innombrables péchés de la chair ont fini par le rattraper ou si une force plus sinistre est à l'œuvre. Comme toujours, nous conseillons à nos lecteurs de fuir le péché afin de rester vertueux devant les esprits. Avec de bruit, maigre moisson. Nos lecteurs sont à coup sûr attristés par cette nouvelle. Cette année a été particulièrement médiocre pour les fermes autour du lac de brume. Les magasins de première nécessité connaissent des difficultés d'approvisionnement après de très mauvaises récoltes. Si les esprits le veulent, les conditions s'amélioreront la prochaine saison. Ok. Attaque de coyotes, vous rencontrez une meute de coyotes. Ah ! Dans les points de chaîne, c'est quoi ajouter une commande ? J'ai mis ça ? Ajouter une commande. Tu vois ça où ? Ah oui, ajouter une commande 2000. Je crois que c'est un truc par défaut que j'ai pas changé. Après, on peut quand même le mettre en place, hein, faut voir. Alors les coyotes. Si vous voyez bien la météo, les vents le vent propage les flammes dans la direction où il souffle. Ok. Oh le pauvre. Ah oui d'accord, je vois le genre. On a une sorte d'arène en fait. Oh un critique. 2, 3, 4, merde. 4, merde. Une balle. Fais un double ou pas? Ouf. Côtelette crue. Ok. C'est rigolo. Oula. Ça va attirer les rapaces, effectivement. Camelot, vous avez trouvé la Camelot, ce qui est inutile pour vous et parfois un trésor pour certains. Vous pouvez vendre votre Camelot dans un magasin général pour vous faire de l'argent. Dans l'Ouest, la récupération de Camelot est un bon moyen de gagner quelques dollars. Bien. Je sais plus. Attends toi. Je te plume le vautour. La volaille. Et le vautour cru. Ah ouais mais ça les attire beaucoup, vache. On va les enterrer. Ah, l'épée et les pauvres coyotes. Ah, les pauvres coyotes, ils m'ont attaqué donc bon. Ah merde! La durabilité des pioches et des pelles diminue quand vous extrayez du minerai ou creusez la terre. Si leur durabilité tombe à zéro, elles se briseront et vous devrez en trouver d'autres. Ok. Ah, dommage. Bah. Ok, ouais, il faut que je les fasse cuire, c'est vrai. Des cigarettes. Ah, bah voilà, je me soigne. Pas d'eau. Miche de pain.
Je récupérerai pas moi perso. Oh, des œufs. Œufs de poule, pommes de terre, épis de maïs. Du munition. Un couteau là. Et un chapeau. Ah mais d'accord, c'était un corps. Ah mais j'ai plus de pelle. Et je peux pas réparer. C'est où quoi mon inventaire? Oui, sans doute. Bah ouais, en même temps s'il me fonce dessus c'est sûr. Moi je tue hein. Ah ouais c'est cassé cassé, ok. Ok donc faut avoir plein de pelles sur toi quoi. Y'a du poids ou pas? Ah ouais, 26 sur 48, okay. Cuisiner. Maïs grillé, allez. Ah tu peux pas cuisiner quand t'as les PV max. Oh, bah, bravo. Bon ok, faut que j'aille là maintenant. C'est assez spécial les zones là comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Petite question sur The Office, le prix des Athénas a augmenté, non? Je sais pas du tout. Peut-être. Pourquoi tu. Quand tu vends un coffre, ça te rapporte combien? 5000, non? Il n'y a pas de honte à fuir devant un ennemi trop fort pour vous. Très bien. Ça, oui, je pense que c'est un bon conseil. Panic in the air. Folks hollering. Death and dirt. Mm-hmm. Sympa. Ah, c'est bon. Ah oui, alors. La crise. Vol d'objets, prenez garde. Ah, vous pouvez apprendre n'importe quel objet sans faire face aux conséquences. Les objets appartenant à d'autres personnes seront marqués en rouge si vous cherchez à interagir avec eux. Si leur propriétaire vous voit en train de voler, votre réputation en souffrira et vous risquerez même de finir en prison. Ok. Je savais pas, pardon. C'est bon. Easy. Est-ce qu'on baisserait pas un peu les options graphiques là? Parce que le PC a du mal, j'ai l'impression. On a un ultra partout, on va pas s'en élever pour voir. Ah mais tout le monde est mort en fait. Oh. Petit chevaux. Bah tu prends le cheval que tu veux, hein, personne n'est là. Tout le monde est mort. J'ai retrouvé la shérif pour parler de mon mari. Le livre est plein de schémas détaillés sur diverses méthodes de conciliation des galeries, également des illustrations saisissant des catastrophes entraînées par une mauvaise consolidation. Là ça pose pas de problème. Ah, pépites de cuivre, what? Ah, amélioration des armes et fonte de lingots. Les pépites de cuivre d'argent ou d'or que vous trouverez ou extrairez avec une pioche au cours de vos aventures peuvent être fondues pour améliorer vos armes ou être transformées en lingots dans le magasin d'un forgeron. Les lingots peuvent être revendus pour un meilleur prix à la banque la plus proche. Cherchez simplement les acheteurs de minerais. Ok. La classe. Faut tout fouiller les gars. Une cactus là ça serait... Ah. C'est une pièce ça aussi. Je pense que j'ai sorti. La colle. Ah oui, ça se mange. Okay.
J'ai gagné 12 000 plus 25 000 pour émissaire niveau 5. Ah bah écoute, tant mieux. Dans un sens, c'est cool. C'est top qu'ils aient fait ça. Et je, il me semble pas qu'ils aient augmenté. C'est fini, je crois, la période. Je sais plus. Pas déjà mon cœur, je t'en prie. Ah, dur. Sarah... Sarah est morte. J'entendais les gens hurler dans les flammes. Je pensais pas te voir un jour pour ton, avec ton revolver chasser des primes. Je n'aurais jamais cru que tu reprendrais les armes un jour. Voilà. Je peux lui prendre, c'est bon. Elle est morte. Fou. J'ai fait la quête pour les... la quête légende, elle est magnifique. Ah, tu m'étonnes. Faut que je la fasse, je l'ai pas faite encore, moi. Probablement mardi. Mais mercredi. Non, mais c'est bon, au bout d'un moment, ils sont morts, je fouille. Hein. Le lit. Ah non, je l'ai, moi. Cole ou Fair Weaver, la meilleure tout simplement. Une charmante illustration représente deux jeunes enfants indignés et collés par les hanches et un parent joyeux tenant un pot de colle au-dessous. Un texte dit Fair Weaver pour une amie, pour une famille soudée et unie. C'est marrant. Effectivement, c'est rouge. Ah, si personne ne voit, c'est bon. Oh, attends, c'est une carabine. Ça se vole tout ça. Ça me sert à tout ce que je pique. Ah bien. Oula, alors là il y a beaucoup de sang. Hein. C'est quoi ça? Il y a mélon. Ça inspire pas confiance. Elle est trop bien, mais faut faire gaffe car il y a des chasseurs qui chassent les joueurs Athéna qui font cette quête. Ah bah oui, ça. C'est pas étonnant. Oh bah des voilà, des dollars, yes. Bah let's go, on a fini. Attends, il en reste une là, ouais, puis... Ah, je peux monter par derrière, ok, je vais aller voir. Assommer quelqu'un en sautant de... dessus d'un point en hauteur. Ah bon? Ah merde, le cheval! Oh non! Oh! Désolé! Oh! J'ai pas vu, j'ai sauté sur le cheval! Oh non! Pardon, cheval. Oh! Ah bah oui! Relique de Nîmes. Vous avez trouvé une relique de Nîmes, des griffes pétrifiées de ces créatures mortes
depuis longtemps peuvent être utilisées dans votre journal pour acquérir de nouvelles compétences de classe et d'armes. Fais voir. Compétences au revolver, compétences au fusil. Coup de pied. J'ai tout ça là ? Apprendre. Ok, faut que j'apprenne. Ok. Pendant 20 secondes, vos coups de pied infligent plus de dégâts et envoient les objets plus loin. Ok. Pose un piège qui explose quand des ennemis en approchent. Ça, c'est pas mal. Charme. Les ennemis qui vous entourent deviennent vos alliés pendant 8 secondes. C'est pas mal aussi. En 6 secondes, le temps ralentit, mais vous vous déplacez plus vite. Ah, ça c'est très bien aussi. C'est tout à cause de la tornade. Toujours pas le bavard, donc les chauffeurs foncent dessus. Bah oui. Ah oui, vous êtes au courant que pour la quête de Mary, si on chasse pas assez vite le Shrouded Ghost, eh ben, il s'enfuit et on doit tout recommencer. Ah ouais. Bah c'est... Ok. Ah mais je peux pas en acheter en fait. Dégâts électriques. C'est pas mal ça. Votre prochain appui sur la gâchette tirera une balle sur chaque cible visible. Chaque tir consomme une balle de votre chargeur jusqu'à un maximum de 6 tirs évidemment. Ouais, je verrai plus tard du coup. Du vin, des esprits et une bonne compagnie pour tous à Cedar Flats. Oh, misérables opprimés qui n'ont jamais eu le plaisir de boire une gorgée de rouge de Cedar Flats. Laissez votre curiosité être piquée par la décantation du dernier millésisme. Jamais vous ne trouverez un vin ayant un tel bouquet des arômes aussi puissants et à un meilleur prix. Laissez votre joie éclater à Cedar Flats. Ok. Ça, j'ai visité, ouais. Ah, un marteau. C'est utile. Peut-être que je peux enlever les planches avec ça. Yes. C'est vide. Un autre marteau. Ah, il y a un mec qui dort. Ah bah plus maintenant. C'est trop bruit. Tellement de trucs avant du coup. Ok. Oh non, le cheval. Ouais, il faut que je trouve une pelle, faut enterrer tout ça là. Putain, mais ils ont tué tout le monde, hein. Un génocide. Jeffrey, le forgeron, les Stillwater l'ont enlevé, il hurlait et je n'ai rien pu faire. Tu as remis ta tenue chasseuse de prime? Je ne pensais pas t'en voir avec. Tu fallais poursuivre? Répondre par l'affirmative, ils ont enlevé votre mari. Alors tu vas aller chercher. Si tu vois mon Jeffrey, veille à ce qu'il rentre bien, s'il te plaît.
Je te donnerai ce que tu veux. Je... Oh, pourquoi pas mon pistolet? Tu auras besoin d'armes pour ce travail, si tu veux bien. Accepté. Tu as toujours été une brave femme. Je parie qu'il sera enfermé avec les autres. Ouvre bien tes oreilles. Je parie qu'il t'appellera s'il te voit. Il ne me reste pas grand chose à part mon pistolet. Mais il est à toi si tu me ramènes, mon chéri. À quel moment le monde est-il devenu si sombre? Petite quête. J'ai 5 jours pour la faire. Okay. Deux nouveaux modèles disponibles. Pour effectuer un achat, envoyez le bon de commande ci-joint par courrier ou relais dans le bureau de relais le plus proche. Expédition fiable, garantie. Les munitions fournies. Ok. Faut vraiment que je trouve une pelle. Très énormément, on était en alliance de 3 sloops, mais bon. Chacun 2 sur chaque sloop. Et en plus, c'était défoncé avec des micros, mais bon, on n'a pas réussi. Ah bah, en parlant de tenue, j'ai pratiquement toute la tenue du chasseur du crépuscule de Sea of Thieves. Ah bah, ça c'est top. Bien joué, Thomas. Tamo. Bravo, bravo. Laissez-moi fouiller. Très bizarre les doublages. Porter le poil. What? J'ai volé tout ce qu'il y avait à voler. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe de beau? Par les crues, j'avoue que je suis ravi de te revoir avec ton Siku. La vie à la ferme, ça t'allait pas. Bon, faisons parler ce salopard de Stillwater. Si tu nous dis ce qu'on veut savoir, et on ne te brise. Tu nous dis ce qu'on veut savoir et on ne te brise que quelques doigts. Juste assez pour te gratter le cul. Votre truc, c'était les munitions, pas les enlèvements. Qu'est-ce qui a changé? Va te faire voir, chef de mes deux, je dirai rien. Tu sais, quand ta voix tremble comme ça, je te trouve pas très convaincant. Tu trouves ça convaincant, toi? Tu devrais lui faire cracher le morceau. Alors, soit tu demandes gentiment, soit tu menaces de livrer la foule en colère dehors, soit tu brises le petit doigt. Qu'est-ce que je choisis? Ah, salut Polo, bon appétit à toi. Qu'est-ce qu'on choisit? Demander gentiment, menacer de livrer à la foule en colère dehors ou lui briser le petit doigt? Ça fait mal le petit doigt. Trois. Le petit doigt, allez c'est parti. Espèce de sol, je peux rien dire, il me tuerait. C'était pas ça. Ou alors on continue? On brise les doigts encore ou on le menace de livrer à la foule dehors? Allez, la foule. Quoi, c'est pas possible, mais qu'est-ce que le crétin emporte? Il s'en fout. On lui pète un autre doigt, hein. Ah, ça a marché. Bon, d'accord, d'accord, c'est notre nouveau chef, c'est Shelby Cross. Shelby Cross, crue toute puissante. C'est pas un homme, c'est une sirène, des monstres. Il mange les gens, ça fait des années que je traque Cross. Quoi? Il est tout près, cet enfoiré de cannibale. Je peux presque le sentir. Merci, Tamo. Cross est parti où, hein? Où ont-ils emmené le mari de Jane? Va te faire faucher, ordure.
On lui a brisé un doigt. Ça va, je vais parler. Il se retrouve dans un camp à 5 heures au nord-est, vers Offerton Valley, que Yep t'emporte. La piste est encore chaude, traîne pas. Je te prendrai par le relais si j'ai du nouveau. Je dois rester ici pour protéger la ville. Tâche de donner une bonne leçon au camp de Stillwater. Hein. Oui, monsieur. So, it's sirens who took your husband. Flesh eaters. Best find that Stillwater camp while your husband still got blood in him. Ok. Oula, attends, on va peut-être pas voler devant elle. Là, j'ai un peu de... Oh merde, pardon. Souris. J'ai vu. Hop là, c'est volé. Bestiaire des hommes créatures de Justinian Abernathy. Chapitre 2, les inhumains parmi nous. Votre voisin fait preuve d'un enthousiasme inquiétant pour les sorties nocturnes. Avez-vous trouvé du sang sur les piquets de sa clôture lors de certaines nuits d'été? Il s'agit peut-être d'un monstre déguisé. Lisez ce qui suit, braves gens, pour apprendre à identifier et détruire ces inhumaines créatures. Petit livre de bienséance pour les jeunes femmes par Miss Metropie. Allure et maintien. Que les jeunes filles se souviennent que le chapitre précédent, dans le chapitre précédent, nous avons parlé de la grâce, de la force, de tranquille, de la volonté et de la sérénité idéale. Si vos nombreux prétendants ne manqueront pas de réclamer votre attention, ne montrez aucun signe d'extérieur, d'intérêt, mais réfléchissez plutôt à vos options et aux opportunités qui s'offrent à vous avant de faire un signe approbateur. Si vous essuyez un revers de fortune ou une catastrophe menace de se produire, devenez le roc sur lequel la mer du changement vient se briser en vain. Okay. La tribu déplacée, première partie. Message de réponse abîmé. Notre tribu alliée à l'ouest a été déplacée comme nous. Nous n'avons retrouvé aucun survivant et nous espérons qu'ils sont partis vers l'ouest. Comme nous l'avons fait en quittant notre territoire, la seule chose qui me fait tenir tous les jours, c'est la pensée de vous revoir tous un jour. Nos guerriers vous protégeront pendant votre voyage pour nous rejoindre. Bamapi. Une dame. Il n'y avait plus un doigt, c'est ça. Ah, j'aimerais lui ouvrir, moi. Je te bute, moi. T'as peur de te serrer les mains? Y'a pas de problème. Je tue ou je tue pas? En vrai, il mérite de mourir. Hein. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait... Ok. Et je peux prendre quel cheval du coup? Aucun. Il est niveau combien? Et ça s'est cassé. Ah merde, même pas du coup. Excusez-moi, j'ai essayé. Porte blindée. Ok. Là, on peut pas y aller. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça?
La révélation de Gavin le berger. On va peut-être pas tout lire, hein. Voilà, c'est enregistré, très bien. Oh, il y avait une trappe. Ah bah tiens, une icône de Gavin le berger, justement. Un coffre. Il faut un crochet. Ça m'intéresse ça, ce coffre. Est-ce que je peux pas crafter? Là, je commence à être rempli là. J'ai pas l'impression. Avec de la ferraille, là, on pourrait faire un crochet, non? Ok, t'as des talents. On va voir ça plus tard. Bon, je reviens ici alors. Oh, on va rester appuyé sur le. Ok, on essaie de revenir là, ici. Faut que je vende des trucs là. Ah, il y a plus de 4 jours pour le forgeron. C'est pas juste tard, ouais. Votre père. C'est quoi ça? Grand bouquin. Déjà lu. Okay. Ah bah voilà. Ah bah un fusil, excellent. J'ai deux armes maintenant. Dynamite, c'est excellent. Vous avez trouvé la dynamite pour vous équiper de projectiles à lancer, maintenez Alt G. Tout en visant avec clic droit, vous pouvez régler la longueur du lancer avec molette. Ok. Bah, j'ai gagné un fusil. Plutôt cool. Voilà, j'ai tout fouillé normalement. Ouais, ça c'est les PNJ, ok. Doctor's Office. Oh, il y a plein de cadavres que j'ai pas fait. J'ai pas fait ici. Réanimé, pansement. Regarde où tu vas, Candy. Tu peux pas être genre gentil et remercier. Hein, vous voulez tout ce qu'il voulait, c'était des gens. Okay. Je ramasse absolument tout ce que je vois. Morsure de vipère, une méthode habituelle pour extraire le venin avec de la volaille. Procurez-vous un coq vivant et placez son extrémité anale sur la blessure. Quoi?
Puis maintenez-le en place. Le venin sera extrait. C'est une bonne idée. Quoi ? Clé du bureau du docteur. Ah, intéressant ça. Salut GG. Comment tu vas ? Ça fait plaisir de te voir en live. Oh bah merci, c'est gentil. Bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir ici, merci beaucoup. Votre inventaire est plein. Ah. Je prends encore nos objets donc, ok. Bloqué. Ah oui, d'accord. Ah, sauf que la ville là, elle est un peu morte, je pense. Bon, je prends un cheval ou pas? J'ai envie. Ça manquera à personne. On prend un planqué là-bas. Mais du coup, je l'ai toujours assommé lui. Je suis désolé, cheval. Ah, je prends lui, tu vois. Ah, classe, ça a marché. Chercher le forgeron. Alors, du coup, comment je fais pour boutique principale? Ah! Ok. Je crois que j'ai trouvé. Des marchands. Vous avez volé un cheval pour vous sortir d'une situation délicate. Les chevaux qui ne s'appartiennent pas s'enfuiront toujours quand vous serez à destination et vous abandonnera sur place. Achetez votre propre cheval dans une écurie pour disposer d'une monture fidèle qui restera avec vous pendant votre aventure. Vous pouvez aussi utiliser ces sacoches pour ranger vos objets. Ah, il y a une version de votre inventaire, ça c'est top. Moi je veux un cheval du coup. Je te fais un prix rien que pour toi. Et tu ne trouveras ça nulle part ailleurs. Dominé. Elle vend ou pas? Alors déjà, on va vendre toutes les camelottes. Ah bah d'accord. Bah très bien, ça m'a tout vendu. Ah oui, ça se vend cher ça. Bah voilà, j'ai de la place maintenant. On va éviter de le voler, hein. Attendre la nuit éventuellement. On n'est pas de cheval? Merde. Comment je vais faire pour rentrer moi? Oh merde. Oh chier. Ouais, mais là, si je rentre, je vais mettre 3000 ans, non? Attends, vas-y, je pique le cheval, je m'en fous. Ah! Vous avez vu commettre un crime majeur, vol. Merde. C'est Weird West, le jeu. Réputation, votre réputation dans l'Ouest baissera si on surprend à commettre des crimes comme un vol, une intrusion ou un meurtre d'innocent. Prenez garde au shérif et aux adjoints, j'imagine. Ah, il y aura des chasseurs de primes si ma réputation est trop mauvaise. Hmm. D'accord. Ouais, mais... Ils sont mignons, ouais, mais bon. Ah, mais ça monte de ouf!
Oh là là! Je suis foutu. Jour 2. Oh là là! Mais en vrai, je suis foutu là? Mais ils ont pas repris une vie normale, non? Vas-y, je m'en fous, je pique un autre cheval. Bon, on verra pas cette fois. Donc Grackle, c'est pas là. On va aller là. Je peux pas aller ailleurs de toute façon. Ouah, c'est la carte ça. Incroyable. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Non, non, non. Ah oui, d'accord. On explore comme ça. C'est excellent. Non, pas besoin. D'accord. Ah, on peut explorer comme ça, c'est stylé. Bon, on va aller là. C'est rigolo. Oh, c'est raté. Alors, vous avez besoin, peut-être besoin de passer discrètement, comme c'est vous. Ok. Et après, je peux le tuer au couteau, j'imagine. Les ennemis qui ne se doutent de rien peuvent être assommés en maintenant. Gâchette gauche. Oh mais les remarques, vos armes infligeront également des dégâts supplémentaires aux gens qui se doutent de rien. Ah, je le tue même pas du coup. Ah. Intéressant. Waouh. Il avait du flingue. Destruction des armes à distance. Vous possédez déjà une arme de cette catégorie. Vous pouvez revendre les armes en trop chez les forgerons des villes ou si vous avez besoin de munitions ou de matériaux, interagir avec une arme à distance dans votre inventaire et la détruire. Vous pouvez ainsi récupérer les munitions de son chargeur et avec un peu de chance des matériaux utilisables comme des pipites de cuivre, d'argent ou d'or en fonction de l'arme. Remarque, seules les armes à distance peuvent être détruites. Très bien. Et là, je peux pas le tuer lui. Bon bah, tu es du KO. Fais voir. Moi, mon arme, elle est où? Elle est là. Oula, attends. Elle fait plus de dégâts, visiblement. D'accord. On va essayer de la faire discrète, hein. Yep, là. S'il fallait pas. Changement d'arme. Vous avez trouvé un nouveau type d'arme. Maintenez Alt G pour ouvrir la roue des armes et changer d'arme. Vous pouvez aussi appuyer une fois sur Alt G pour revenir à l'arme précédente. Eh oui. Faiseur de veuve. Black Mountain 40. Old Blue. Revolver 30. Carabine 35. Ah oui, d'accord, ça c'est. J'ai récupéré l'autre. La dynamite, ok.
peut s'accroupir. Il y en a un qui m'a motivé. Voilà, moi qui bouge, j'ai pas trop le choix. J'ai pas de trucs à jeter. Oh, on va équiper le couteau. Hop. Il y avait une ID. J'ai cru que j'étais mort. What? Salut, j'ai installé le jeu, mais j'ai pas encore joué. Ah, bah tu vois, Sangwan. Mais voilà, je l'ai installé là, j'avais envie de tester, donc j'ai lancé le live sur ça ce soir. J'espère que ça vous plaira. Oh, nice. Ah oui, oh ils sont trois même non? Ah, ils sont deux. Est-ce que je peux m'équiper du couteau? Est-ce que ça le tuera du coup? Tu peux vraiment décider de qui tu veux en fait. Ok. Petit pansement. Ah bah une pelle. Attends la corde, ça peut être utile. Donc enterrer les corps mec, c'est excellent. Là j'enterre hein. Je pense qu'on les a eus là. Ah. Si vous souhaitez expérimenter de nouvelles approches, tout est possible dans Weird West. Vous faufilez dans un endroit sans vous faire remarquer. Voyagez vers des lieux pour lesquels vous manquez peut-être de préparation. Ou même envoyez des personnages importants de l'histoire 6 pieds sous terre. Vous pourrez toujours achever votre quête du meilleur d'une note. Toutefois, il est préférable d'effectuer un F5. Sauvegarde rapide, avant de prendre des risques, car une mort certaine attend ceux qui ne sont pas prêts à relever certains défis. Alors il me dit ça maintenant. C'est qu'il y a un combat de boss qui m'attend, c'est ça? Alors F5. Session d'avion. Vous poussez sur une lampe à pétrole. Ah, pour répandre le pétrole au sol et déclencher un incendie. Piège mortel.
C'est pas bête. Sauf que là, ils sont loin, là. Je sais pas si ça a marché, en vrai. Ah bah si, parce qu'ils sont dans du truc, justement. Ils sont dans du pétrole. Oh. Dead. I'm so dead. Mais je m'en doutais un peu, hein. Je connais un petit peu, alors c'est bon. Je suis habitué maintenant. Attends, elles sont mes armes. Ah, j'ai eu peur. Boum. J'ai perdu 0 PV cette fois. Il y a une branche de je sais pas quoi là. J'attends. Re Polo, bien manger. Ah, oh, j'ai eu peur, j'ai cru que ça allait casser la branche. Une relique là. J'ai une compétence qui m'intéresse pas mal. C'est ça. Pendant 6 secondes, le temps ralentit, mais vous vous déplacez plus vite. Ça peut être pas mal. Pour essayer vos compétences de classe, utilisez... Ok. Oh, oh, oh. Ah, pas sûr de partir avec ça. Carabine. Oui. Oh, le feeling est très bon. Hein. Oh, ce que je leur ai mis. Ce que je leur ai mis. Qu'est-ce que t'as mangé de bon, Polo? Non, 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 on enterre pas ça. Voilà. Un crâne humain. Je prends. Je les ai éclatés, ils ont rien compris. Sympa cette carabine là. Un petit maïs, petit côtelette, petit maïs. Salle de couchage, lit. La fois que je me grouille, j'ai une quête à faire en 3 heures. Oh la limite. Ah, il me faut décrocher. Ah yes, décrocher. J'en ai combien? Un. Ah. Parce que je gardais pas mon crochet quand même. Qu'on avait vu. Ah ben, bah, j'ai qu'on avait vu. Allez, on ouvre. Gilet en peau de cerf basique. Ah bien. De bonne qualité, suffisamment épais pour offrir une meilleure protection. Peut être amélioré sur un chevalet de tannage avec 3 peaux de cerf. Ils n'arrêteront pas les balles des gilets, mais ils peuvent vous sauver la vie. Les gilets améliorent votre protection et réduisent la quantité de dégâts que vous subissez. Vous pouvez acheter des gilets bon marché dans les magasins Dagger & Bones de la plupart des villes et des gilets de meilleure qualité dans le camp, les camps des trappeurs. Top. On équipe ça? Ah, c'est équipé. Bah voilà, super. Ah, je peux avoir un arc aussi. Oh, il y a un crâne, on peut le prendre. Non. Une pizza. J'adore les pizzas. Bah ouais, tu m'étonnes. Team pizza ici, hein. Tellement bon les pizzas. Mais moi, de ce soir, c'est pas pizza. Ah, un autre baril.
saute esquive tout en visant. Vous pouvez sauter avec mage pour ralentir le temps et esquiver les tirs ennemis. Tout en étant capable de tirer. Incroyable. Quand il repasse, faut que je tire. Je pourrais en tirer le temps aussi si je veux. Il est vraiment sympa ce jeu en fait. Je m'attendais pas trop à ça. Ça va, j'accroche plutôt pas mal. Allez, passe dedans, c'est bien. Boum! Boum! Terminé. Est-ce que je l'aurais mis? C'est vachement stratégique en fait finalement. C'est assez intéressant. Ah, des empreintes. Je perds 0 vie. Trop fort. Et je suis très surpris aussi de pouvoir sauter. Ça c'est top. Il y a un truc là. Ah, ils ont fait la petite animation. Trop bien. En mode. Il y a des empreintes. Les empreintes de bloc qui se mettent n'ont pas pris le temps de faire leur place. La bonne piste. On va examiner ? Non, c'est bon. En même temps, c'est pas trop difficile, j'ai envie de te dire. La fin de la map est là-bas. Très bien. Oh. Ah, ça, c'est ce que j'ai exploré avec le cheval que j'avais volé. Non, j'ai toujours pas trouvé le forgeron. Hein. 5 heures de voyage pour lire les nouvelles. Ah! Bon, moi, je lirai les nouvelles plus tard. Le n'est pas tendre avec ceux qui ne sont pas préparés. Don't feel right. Hairs on your neck wake up. Danger's close. Ah, y a un truc qui va pas. Il y a du danger, dit monsieur. Ah oui, il y a du mort là. Ouais. Oh, pépite d'or, excellent. Je suis riche. Te voilà. Vous m'attendez ? Bon, ça va le soin aussi, hein, j'en ai plein. Non mais... Une fillette ? Ah, la passagère, alors ça a marché finalement, ce corps te va bien. Quoi ? J'ai cru comprendre que tu étais en chasse. Tu cherches une piste pour retrouver ton âme sœur? Je peux te montrer où elle est. J'espère refroidir la piste, je ne veux pas souffrir plus longtemps que nécessaire. Ouais. C'est bizarre cette meuf. Pourquoi elle souffre? Oh, tu comprendras bientôt. Pourquoi elle m'appelle ainsi? Nous sommes tous des passagers, pas vrai? Flottant au gré des vies de la vie. Inutile comme une branche charriée par un torrent. Qu'est-ce qu'elle veut dire par ce corps? Qu'est-ce qu'un corps, un point infini, une enveloppe qui nous retient ici, même si on voudrait être ailleurs. Par ici, ne perdons pas plus de temps. Oula, 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 calme-toi. Moi, je fouille avant. Déjà ? Là-bas, on le prend. Voilà, attends. Hop. Ça m'énerve. Je suis au niveau 10 en fortune d'Athéna, mais je ne suis pas pirate de légende. Ah oui, c'est ballot ça.
Tu peux peut-être trouver des gens sur Discord hein, qui peuvent jouer avec toi. Mm-hmm. Et c'est vrai que là, ils peuvent aller n'importe où. Ils vont par là. That girl, something mighty off about her. A look in her eye, dead as river stone. Well, at least she pointed you in the right direction. Beggars can't be choosers. C'est là? Tiens, mais c'est long en fait, hein? Lire les nouvelles, N. Nous a récemment informé que le propriétaire du bordel... Oh, ça j'ai vu. Les visiteurs de Cedar Flats pourront prendre quelques exemples de quoi le puits le plus profond de l'Ouest creusé par l'homme, construit au fil du temps. Depuis la fondation de la ville, ce puits peut même fournir de l'eau quand la rivière sont hautes. Oui, soit il. Ok. Et je me fatigue jamais du coup, c'est top. Selon la rumeur, un clerc des absolutionnistes aurait trouvé un moyen de faire appel à des loups-garous pour protéger les gens ordinaires. Ah ouais? Mais je vais être loup-garou moi. Ah, une scène. Cinématique. Vous n'avez pas rempli votre quota, les Steelwater. Va te faire foutre, sirène. On a déjà kidnappé la moitié de Kragel pour votre gueule. Parle pas comme ça, imbécile. Avec notre accord. Ouais, on n'est pas vos larbins, on est les Steelwater, bordel. Et votre quota, vous pouvez vous fourrer où je pense. Si Steelwater, attends, se lance. A fini par ouvrir, pas m'ouvrir l'appétit. Je vais bouffer. Toi là, t'as un problème avec notre accord. Je pense pas, non. Non, 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 pas du tout. La prochaine cargaison, ça sera mieux, c'est promis. Oh, c'est quoi ce truc? C'est pareil, je joue. Elle rentre maintenant, j'ai besoin d'un whisky, même deux. C'est pareil, je joue sur Xbox et ça crache souvent quand je suis sur son disque, je n'ai pas le temps de se regarder. Ah. J'espère que t'avais pas trop avancé. Je me planque. Là, ce serait bien de pas me faire repérer tout de suite, quoi. Oh là là, ils sont nombreux. Puis il y a des loups, j'ai l'impression. Je vois des pattes de chien là. Ah ouais, mais là ils m'ont regardé tout, qu'est-ce que je fasse? C'est très idée, ce jeu j'aime beaucoup. Ouais, il est cool hein. Puis il est sur le Game Pass hein, si jamais. N'hésitez pas. Bah je vais devoir tuer tout le monde quand même. Merde. Je vais éviter de me faire repérer. C'est qu'il bouge pas les bouts. Ah ça y est. Ok, c'est là. Hop hop hop. Un qui est passé par là, il est où? Ah, il est peut-être rentré, ok. C'est quoi la fiole là? Ah, je suis plein. Moi j'ai commencé l'aventure avec ma fille ce week-end sur Sophie's. On a été embêté par un soupi, mais on a bien tenu. Réussi à donner l'effigie de l'affamé à Belle. Oh, bien joué! C'est cool ça. Ah non, c'est pas des chiens, c'est des rats, on dirait.
Ça va être très chaud là. J'ai pas masse munitions avec ça. Ok. Vous pouvez regarder à travers et voir s'il y a un bâtiment pour s'enfuir à plomb. Vous pouvez également faire une roulade par là. Ok. Ah, je suis un peu repéré, effectivement. Oh oh, ça marche bien ça. Le mec que je dois sauver, je crois. Jeffrey Murphy. Il attend de mourir. Ah oh ouais, je peux mourir. Bon, je l'ai trouvé, mais bon. Oh la haine. Je vais devoir le commencer, ce jeu, il a l'air super. Ah, il est vraiment bien. Bon, après, j'ai tué le. Je sais pas, mais... Bon, finissez-moi là. Merci. Par contre, je vais sauvegarder quand, moi. Mais il est chaud, hein. Je suis en moyen. Il est plutôt chaud. Smells all wrong here. Ça va, on en est là. The sirens have been feeding. Let's hope your husband wasn't on the menu. Il y a vraiment beaucoup de monde par contre. Qu'est-ce que c'est? C'est une fosse commune? Brûlez les corps et mettez de la viande fraîche dans la cave. Vous voulez les corps. Vas-y, je le fais. On va essayer de passer ailleurs. Ah, mais ils sont trop nombreux, comment je fais moi? Beaucoup trop nombreux. Oh, fusil à verrou, faut rester de cuivre.
Ça a l'air pas mal ça. Attends, t'en as plein. Alors, qu'est-ce que je passe? Ça, j'en ai plein, à la limite, je peux le jeter. Hein. Détruire la. Voilà. On va les avoir en triple. Double canon. Plaisir de veuve. Qu'est-ce qu'on a? Carabine Gozer, je peux pas. Je suis pas obligé de l'avoir deux fois. Celle-là, je l'ai 10 000 fois, tous les esprits là. C'est scandaleux. Ben là, on est pas mal. Old Blue, Faiseur de Veuve, Carabine. Je vais garder lui du coup. Quick Iron. Oh, c'est un autre, ça encore. Gozer. Je sais pas ce que j'ai équipé. Si, je peux la virer du coup. Elle est là. Voilà. Ça fait un peu de place. Ça aussi. Ah non, celui de la double canon, je le garde. Du coup, tu penses que les plaques sur les navires et plus de customisation, c'est pour la saison 7? Ouais, je pense qu'ils vont mettre ça en saison 7. Ça me paraît assez logique en fait. On verra bien. Merci, bon, les loot ont coulé, mais bon, tant pis, l'important c'était l'aventure. Le soupi, lui, quand il nous a coulé 1h30 après, il s'est rendu compte qu'il avait rien sur le bateau. J'ai bien réussi, tu m'étonnes. Du coup, ça va rester là. Mais par contre, l'autre, là, je le veux. S'il y a un truc à verrou, là. C'est un ours. C'est quoi? Une carabine ou pas? Ouais, c'est une carabine. Mais hop là, ça remplace ma carabine. Elle est mieux que la mienne. Attends, elle est au lot. Là. Ah ouais. Ah, elle fait plus de dégâts, c'est bizarre. Elle fait que 30 en dégâts. Il y a 10 en chargeur, on est sur du très long et là du long seulement. Ah! Étonnant. On verra. Ça se teste. T'as pas trop le choix de faire, faire du bruit en fait. Hein. Qui sortent, qui se tournent et puis on va l'attaquer lui. Hein. Ouais, il y a grave du monde. Hein. Je vais faire exprès de le mettre là. Ça, les gens vont dire oh, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé. Attends, je veux que ce soit visible vraiment. Voilà, je prends ces balles comme ça, il pourra pas faire grand chose. Ça aussi. Ah, ah, je pensais pas être vu direct. J'ai pas l'impression qu'on peut vraiment courir par contre. Je charge bien là quand même. Chance.
J'aimerais que ce soit plus que deux, quoi. Ah, ceux-là, ils sont trois, tu vas me dire. Ou pas, je suis pas très sûr. Non, oh merde, putain, c'est presque bien joué. Ça fait descendre ma réputation, cool. Ah, si je peux avoir lui, c'est beau. Ah, c'est beau. Oh, le poulet. Mais non. Boum. Pardon. Mais voilà. Ah non, je l'ai creusé. Je l'ai enterré. Ouais, du moment kill cowboy. Bien joué, merci. Tout est fait là. Mais enterre pas, ça suffit. Il est excellent ce jeu en vrai. Franchement, top. Jeter les trucs que j'ai en trop. Ah bah j'en ai deux comme ça maintenant, Quick Iron Sharps. Ok, on est bon. Alors ce qui est bien sur la minimap, vous voyez, vous avez les corps avec les croix. Et quand les croix sont blanches, Caroline Steelwater. Ah, oh. Clé de cave du clos de Greenwood. Très bien. Je disais pour les croix. Quand les croix sont blanches, les corps sont pas fouillés. Quand les croix sont noires, c'est fouillé. Ça, c'est sympa d'avoir pensé à ça. Ça évite de refaire tous les corps quand je viens de... D'ailleurs, je viens de le voir. Oh, bah une veste en cuir. Parfait. Un veston. Il y en a un de l'autre côté. Mais il est où? Il est là. Jeter. J'ai fait quoi? Ah, je l'ai posé, mince. Ah,
Après, je pense que ça joue plus sur clavier souris. Parce que là, ça sur manette, ça va être plus compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport au mien, c'est pareil. Ouais, j'ai l'impression. Ah non, 10%. Ah, mais je suis pas résistant à la foudre avec ça, ok. Après, je m'en fous pour le moment. Ça me fait 5% de mieux. On va le mettre. Faiseur de VG équipé, ok. Ok, range les deux fois. Celui-ci. Ok, voilà, je pense que j'ai tout eu. Mais alors, je sais pas. C'est pas possible. Je me suis gouré encore. Faut rester appuyé sur G, hein. Voilà. C'est intéressant, ça donne des munitions et tout. Découvrir. Attacher la corde. Descendre. On va voir. Hein. Avant, on monte. C'est bon que je sauve l'autre là. On le fait de pas pouvoir courir, c'est un peu bizarre. Enfin, concrètement, je cours. Hein. Mais bon. La munition là? Bon, ok, jette ça. Tada! Libérer le forgeron. Comment je fais? Fermer, rocher. Oh non! Ah, je sais pas ce qu'il faut. C'est quoi ça? Ouf, ça va être pas les coups. Je peux pas taper? Indestructible. Oui, ben j'ai pas ce qu'il faut pour sortir de là, mec. Donc tu te calmes. Je vais trouver. Ça va bien se passer. Ah, clé des cages. Yes. Ça a bouffé le corps là. J'ai les clés des cages. Il faut prendre cette quête. Tada. Mais c'est bon, si tu peux sortir, non? Jane, je ne pensais pas trouver un jour dans ta tenue de chasseuse de prime. Tu tombes à pic, je croyais que j'allais finir dans une assiette. Écoute, j'en ai vu plusieurs qui se dirigeaient vers ce puits. Tu pourras peut-être leur tomber dessus par là-bas. Je te retrouverai à Grackle. Maria doit se faire un sang, donc je te dois la vie, mon ami. Bah, je veux, ouais. T'as même pas mangé tes carottes? Bah alors, manger ses carottes. C'est quoi cette affaire là? On va décrocher, excellent. Mais attends, il est pas mort lui. Ne se doute de rien. Ça me fume. Oh, on peut accéder à notre inventaire par là. C'est très bien pensé ça. Mieux en mieux ce jeu. Alors qu'est-ce que j'ai en trop? Beaucoup trop de choses. Salut Monkey, j'en profite de te voir en live pour te remercier des tutos Sea of Thieves qui m'ont bien aimé, GG à toi. Mais merci à toi la crevette. Oui, j'avais compris, t'inquiète. Et bienvenue à toi, tu vas bien? J'ai vu que t'avais suivi la chaîne hier, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bienvenue à toi en tout cas. Et avec plaisir, pour les tutos. J'ai trop de trucs sur moi. Merci de l'accueil. Avec plaisir, avec plaisir. Boire, qui me dit l'autre là. Regarde, j'ai plus rien.
Viande de rat cru. Attends, mais c'est pas deux fois la même ça? All blue? Ah non. C'est la mienne. C'est exactement la même, on dirait. Hein. Au niveau des stats, c'est la même. Je sais pas ce que je peux jeter, du coup, c'est un peu frustrant ça, l'inventaire. Il faudrait vraiment un cheval. T'as souvent un, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas de VIP, c'est-à-dire un VIP. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je les ai déjà. Les dégage encore. Note pour le puits. Oublie pas, ce soir, il faut mettre le cadenas sur la porte du puits vers les galeries. Sinon, le patron va encore réduire les rations. On ne doit plus laisser la corde au puits. Oublie pas, Kyle. Ok, bah, c'est exactement ce qu'on a fait. Ah, les missions. Oui, on va allumer la petite cheminée. Absolument. Sur l'arme d'ici, ça c'est très bien. Moi, je sais pas sur les autres streams, il y a un badge VIP que l'on peut avoir juste comme ça, ou soit on peut l'acheter avec des points de chaîne. Ah d'accord, non, j'ai pas mis ça en place, mais je pourrais éventuellement. Je file sur la mer de Pixel, à bientôt. Bonne découverte Tata, merci beaucoup la crevette, à bientôt, salut et profite bien de Sea of Thieves, à bientôt. Ok, ok, ça s'est fouillé. Je vais fouiller cette maison. Ça, il l'a dit tout à l'heure. Colle. Clé de la cave du clos de Greenwood. On nous a récemment informé que le... Ah, ça, on connaît ça. Le maréchal impose des procédures pour les demandes d'aide par relais. Alors que les esprits font voyager nos chers lecteurs du désert d'El Castillo à Millswood et des monts de bergers au marais du trépas de Gavan, vous serez heureux d'apprendre que notre propre maréchal Trogon a ordonné que certains canaux des récepteurs du relais soient réservés aux appels à l'aide et autres messages urgents. De cette manière, les voyageurs pourront intervenir plus rapidement pour secourir les autres en cas de besoin. Loués soient les esprits. C'est prévu, j'attends la suite avec impatience. Un truc que j'ai pas vu, c'est un déroulé de FDF ou FDD détaillé si jamais. Fort de la fortune, je l'ai fait sur YouTube. Tu peux trouver la vidéo normalement sur ma chaîne. Tu tapes Fort de la fortune sur ma chaîne, tu vas trouver. Fort des damnés, non, je l'ai pas fait. Ouais, mais après, ce sera le même principe de toute façon. En gros, la différence avec un fort classique, le fort des damnés, c'est qu'il faut que tu réunisses les flammes du sort, tu sais, toutes les flammes. Et il faut que tu aies un crâne rituel à la fin. Et en fait, c'est comme ça que tu crées le fort des damnés. Je vous ferai une vidéo là-dessus aussi, mais il faut que je trouve le temps parce que là, c'est assez compliqué à mettre en place ça. Pas pour le jeton de poker, nul. Ah non mais t'inquiète, ça m'embête pas. Mais ok, c'est cool. Bon visionnage alors.
Ça met du temps, hein, l'effort, la fortune, ils sont assez compliqués à faire. Mais ils sont rentables. Ça, oui. Ça, je suis sûr qu'il faut le casser. Eh ben non. Je t'en prie, avec plaisir. Alors, j'ai cette clé ou pas? Je pense qu'on arrive au même endroit après. Ouais. Ce sanglier de la ferme Belle, il m'a tiré dessus avec mon arme, je n'arrête pas de saigner. Je suis juste mercenaire. Ces histoires de sirènes, c'est trop, les Stillwater me laissent pourrir ici et ils me boufferont. Je dois sortir d'ici, j'ai besoin d'un tas de pansements, tu vas m'aider? J'aurai des objets rares à te donner. Je peux décider de le sauver, c'est cool ça. L'homme de la ferme Belle. Shelby a le béguin pour lui, il dit que plus les gens sont beaux, plus leur viande est bonne. J'espère qu'il lui mordra la queue. On lui donne des pansements ou pas? Il a pas l'air méchant. Surtout que je peux avoir des objets rares. Que vous en pensez? Ça peut être pas mal. Allez, si on lui donne des pansements. Le chat a décidé. Je te remercie. Bon, un marché. Fais voir ta carte. Là, j'ai cassé... Ah, super. Je vais pas les prendre maintenant parce que j'ai pas de place dans mon inventaire. Là, j'ai caché des objets rares dans une des tombes. Ça te plaira. Nicolas, c'était le nom qu'il y avait sur la tombe. J'espère que je pourrai sortir d'ici avant que cette sirène ne revienne. Ah, et puis ça me fait gagner la réputation en plus. Je croyais que la marée descendante m'emporterait. J'espère pouvoir te rendre l'appareil un jour. Oh, bah tu vois, il est super gentil, on a bien fait. Merci, Polo. Ami fidèle. Oh, excellent. Si vous aidez les habitants de l'Ouest, vous pourrez vous faire des amis fidèles. Les amis fidèles peuvent parfois intervenir dans les combats des sessions si la situation est désespérée. Et vous sauver d'une mort imminente. Parfait, ça. Ça ne coûte plus, enfin. Je vais pas mourir ici. Bah, tu mourras pas, mec. C'est bon. Ça emmène pas au même endroit, alors? Sac taché. Carcasse. Oh, je suis content, là. Ça fait une bonne action. Putain, je suis par balle avec ma réputation, moi. C'est frustrant là. Oh non, le whisky ça doit se vendre hyper cher, c'est mort. Je veux le whisky. Ça c'est des choses que je vais manger. De toute façon c'est que de la camelote hein. J'ai la part. Ah bah pas tant que ça alors, hein, peut-être. Eh, ça se vend bien hein, des trucs des fois. Ah mais je peux pas me permettre d'avoir deux fois la collette crue, la côtelette crue les amis. On va poser ça. Alors, combien ça se vend du whisky? 3. C'est déjà pas mal. Oh, il s'en va. Parfait. Bah, salut, mec. Ravi d'avoir aidé. Petit whisky, là. Porte blindée. Si les portes en bois normal ne peuvent pas être facilement détruites, la plupart des âmes, les portes blindées ne peuvent être endommagées et détruites qu'avec de la dynamite. Oh. Au cours de vos aventures, vous tomberez peut-être aussi sur des portes indestructibles. Même la dynamite ne peut pas détruire les portes indestructibles. Vous devrez donc trouver la clé ou crocheter la serrure. Ok. Ah bah j'ai la clé. Parfait. Un peu peur hein. Voilà, il est méchant là. Coup de pied dans les objets.
Appuyez sur F pour donner un coup de pied dans une barrique de produits chimiques et l'envoyer vers vos ennemis, créant ainsi un piège toxique. Les produits chimiques sont très instables et exploseront si vous enflammez. Ah bah c'est très malin ça, on va le faire. Comment on donne un coup de pied par contre? Bah je pense qu'il faut que je m'équipe de mes points. C'est comment le coup de pied déjà? Merde. Yeah. Non, talent il le dit. Enfin, compétence. Coup de pied, compétence. Soit 200, attaque tournoyante. Coup de pied circulaire. Ouais, mais je sais pas faire le coup de pied, les gars. comment on fait le coup de pied? F le coup de pied, très bien. Il y a un mode photo. C'est une des notes qui attaque les Steelwater. Les Steelwater. Oula. Il y a beaucoup de monde qui arrive là. Et l'autre il est à côté et il lui dira même pas en mode. C'est un baril. Bon bah tant pis, il est où Mouski? Boum! Il n'y a plus de vie, c'est là. C'est vraiment cool de pouvoir faire ça. De toute façon, combien là, c'était au plus? 2 balles. C'est vrai. Je suis pas habitué moi à ne pas rester appuyé. Ennemi puissant. Oh. Vous croyez que vous surpassez tous vos ennemis? Vous vous trompez. J'aime beaucoup. Il existe des variantes encore plus redoutables que la plupart des ennemis que vous rencontrez dans l'Ouest. Vous pouvez les identifier par des insignes affichés à côté de leur nom quand vous les visez. Plus il y a d'insignes, plus l'ennemi est redoutable. La présence d'une couronne sur l'insigne indique que l'ennemi est le chef d'une bande locale, une cible de choix car les membres de sa bande peuvent fuir s'ils voient que leur chef est tué pendant un combat. Cool. Moi je dis dans les jeux vidéo, il faut toujours être gentil parce que dans un jeu de pizza, oui j'aime vraiment les pizzas. Eh bien si on aide des gens en difficulté, ils nous donnent de nouveaux ingrédients. C'est vrai ça. Bien vu, bien vu, bien vu. Ah par contre vous fiez pas au planning que vous donne Wisebot, je l'ai pas mis à jour. Pour le coup. Je vais mettre à jour d'abord. Il va quand même brûler. Oh!
Ah oui, il fait mal lui. Boum. Donc résumé, Paul est la voix de la sagesse. Ok. Joanne Cooper, du coup. Fusil à verrou forestier. On l'a pas celui-là ? Et on va quand même le casser, c'est con. Tados. Ah, As d'or ! Ouh, ça c'est bon ça. D'être un As d'or, ce mystérieux artefact peuvent être utilisés dans votre journal pour acquérir de nouveaux talents. Et ça, c'est cool. Talents. Je peux acheter ce que je veux. Oh là. Vous avez 25% de chance de ne pas briser un de vos crochets en crochetant une serrure. Ok. Les talents que vous avez acquis lors de vos quêtes précédentes le resteront quand vous incarnez un nouveau héros. Ah, il y a plusieurs héros. Oui, c'est pour ça qu'on voit. Mais attends, on va être une bête, en fait. Les talents que vous avez... Oui. Vous trouvez 10% d'argent en plus dans les coffres. Ah ah. Réduit les prix des magasins de moins 5. Augmente de 15% les dégâts infligés par les membres de votre groupe. Et leur maximum de PV. Inflige 25% de dégâts explosifs avec la dynamite. Et la dynamite à fragmentation. Sautez 10% plus haut. Les chutes font moins de dégâts. Inflige 25% de dégâts en plus aux ennemis qui ne se doutent de rien. 20% de points de vie en PV en plus quand vous utilisez des pansements. On se déplace plus vite de 5% quand on a une carabine ou un fusil ou un arc. Vous augmentez votre vitesse de 10% quand vous êtes accroupi. 10% le PV, les PV maximum. 10% de rechargement supplémentaire. Donc pour recharger. On augmente de 25% la cadence de tir pendant un saut d'esquive. Je sais pas trop, je vous avoue là. Qu'est-ce que je peux choisir ? Serrurier ou grappillage, ça me paraît pas mal. Je pense que je vais prendre serrurier. Parce que ça va être... à mon avis, je pense qu'on va pas en avoir des masses décrochées. C'est un tas de, un as d'or. C'est d'or pour acquérir un talent pour la première fois. Oh yeah. D'ours. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Gilet en peau d'ours basique. Qu'est-ce que j'ai moi? Ah mais j'ai déjà. On va laisser là alors. Je vais y aller, bonne soirée à tous. Ok, ça roule. A bientôt Sangwan. Merci d'être venu, c'était cool. Ah, un coffre. Dans les caisses. Peau d'ours. Ah, je peux pas la prendre malheureusement. Qu'il te voit. C'est Jane? Mais oui. Tu as ressenti ton vieux revolver? Par les esprits, je suis sauvé. Il faut que tu me fasses sortir de là. Il est là. Il mange les gens, Jane. Je te jure, sur mon honneur. Interrogé sur Alfonso. Alonso. Un brave homme. Enlevé à Grackle, comme moi, écoute les Steelwalker. Steelwater. Garde leur communication dans ce coffre là-bas. Te faudra la combinaison. Heureusement pour toi, j'ai les yeux d'un aigle et j'ai pu la déchiffrer. Sors-moi de là et je te donnerai la clé de la cellule de dans les parages. On peut pas reparler à toi. Mais j'avais pas fini de lui parler. Yes.
Tu en es pour moi, je le savais, Jane. Prends ce dont tu as besoin dans le coffre. Pour toi, ton mari de la combinaison, c'est 0451. Tu vas truffer les plombs de plomb, ces salopards de Stillwater, avec ton six coups, d'accord? Un mystère. 0451, on a dit. On va le faire tout de suite, j'ai oublié sinon. Ah, j'en reviens à une putation 0, yes. Ah bah, pas besoin de reconnaître la combi, ok. Relais crypté, tous les noms du registre ont été rayés à l'exception de la... Le texte est indéchiffrable, mais une liste de noms a été griffonnée à la hâte au bas de la page, dont celui de votre mari. Your husband's name's written on the relay in pencil, but the message itself's encrypted. Ok. You'll need to show it to a relay clerk. They'll know how to parse it. Décrypter ce truc. Oh, elle a pas mangé sa purée, son lait, franchement. C'est quoi ces gens qui mangent pas la nourriture qu'on leur donne? Ouh, attendez. Il ira pas mal celui-là. Qu'est-ce que je jette? Iron Sharp, c'est ça? Quick Iron Sharps depuis. Est-ce que j'en ai pas un déjà? Ouais, j'ai lui là. On va le casser. Je vais pas le prendre. Sérieux, je... What? Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pas cassé? Mais... Ah oui, d'accord. Faut que je garde ça, ça me prend une place. Bah, what the fuck? Pourtant, j'avais jeté mon truc. Ah là là. Enfin, les montagnes poussées, ça se vend bien. Je comprends pas ce que j'ai fait là en fait. Vas-y, jette le râle ensemble. Est-ce qu'il est mieux que le mien? Ah oui, il est mieux que mon All Blue. Moyenne. Ah, classe. Bah allez, on équipe. Au cas où. Bon, mais on est bon. Yes. Sérieux? Je suis déjà plein en ça? Ah, mais je peux en avoir. Ah oui, que 5. Ok. Bon, bah tant pis, ça reste là. Allez hop, on part. Ah là, je suis passé où? Tout huilé. Grackle se reconstruit. Il a fallu du temps, mais Grackle se relève. Le magasin général de l'armurerie, le bureau de relais, tout est ouvert. Et le tableau des prix, mais là aussi, si tu as besoin d'argent pour aller là où tu vas. Reviens si tu as besoin de ravitaillement, d'accord? Et si tu veux une autre paire de six coups, emmène-moi. Emmène mon adjoint monter avec toi. Ça lui démange de transformer quelqu'un Stillwater en passoire. Sheriff Laura Albright. Ok. Alors,
Aller à la... Faut aller à la ville pour le truc du relais, ouais. Recruter l'adjoint, j'ai 10 jours pour ça. Et consulter le tableau de prime, ok. James Song. Oh. Je peux le sauver lui ou pas? Il y a un truc. Amulette des Tornéries. Qu'est-ce que c'est? Ça m'intéresse. Est-ce que je peux t'aider? C'est chiant, faut tout jeter quoi. Ouais, il est top hein, le jeu, hein. J'aime beaucoup. Ah, je vous avoue que je sais pas trop quoi jeter quoi. Pas d'air, j'en ai qu'une. C'est pour voir ce que c'est ce truc. Équipez-vous de cet objet depuis votre inventaire. Si votre santé est faible, votre cadence de tir augmente. Pas mal. Ah oui, d'accord, ça le met là. Ah, il est enterré ici. Ah, et du coup, c'est la fameuse corde. Décorer, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le... Non, ça faut que je récupère absolument les deux d'ailleurs. Je vais jeter la bouffe, hein, je te le dis, moi. Bah, ça, ça dégage. Les sous, les sous. Ah, il y en a encore? Ok, il me conseille de voler un cheval parce qu'il y a des Steelwaters qui sont là. Oh, elle fait mal cette arme. Est-ce que je la remets ? Le gars il vient carrément au corps à corps. Ça va bien, oui. Ah, il a une machette, ok. C'est con, je puisse pas la prendre. À la limite, elle passe du couteau. Hein. Un cheval, je veux bien, mais il n'y en a pas ici. Il n'y a pas de cheval. Waouh, on est très loin. Découverte de nouveaux territoires. Au cours de votre périple sur la carte de voyage, vous traverserez des territoires inexplorés. Si vous avez de la chance, vous pourrez découvrir des lieux secondaires. N'hésitez pas à parcourir l'un de ces territoires inexplorés. Si vous êtes en quête d'aventure, de gloire ou de fortune, les endroits reculés abritent des zones farouchement défendues et riches en butin, mais prenez garde, si vous vous aventurez trop tôt au cœur de l'Ouest, vous risquez de finir dans des endroits trop hostiles pour vous. Retour dans la sécurité du forgeron. Le forgeron a pu rentrer dans son foyer, merci d'avoir fait quelque chose. Sa femme dit qu'elle a quelque chose pour toi si jamais tu passes en ville. Attends, il fait quoi là mon perso? Hop hop.
On va rentrer en ville. Hein. J'ai trop de choses à vendre là. Vraiment très, très sympa, très bien fait ce jeu. J'aime bien. Très content d'y jouer. C'est top. Alors, on va aller voir. Alors avant, on va les vendre. Comment je peux vendre à qui? Recrutement de compagnons. Les saloons des îles que vous visitez sont de très bons endroits pour recruter des mercenaires et autres fines gâchettes si vous avez besoin de gros bras. Si vous avez une bonne réputation, les gens peuvent même venir à vous. Le fait d'être à plusieurs augmente les dégâts infligés, mais si l'un de vos compagnons prend une balle perdue, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas les mercenaires qui manquent dans l'Ouest. La flamme qui brûle le plus fort s'éteint parfois le plus vite. Ok. Place de la gâchette. J'ai une proposition de faire. Je suis meilleur garde du corps du marais Gorée, tu vois. C'est ton jour de chance parce que je suis libre. Je ne coûte que 100 dollars. Bah non. Tu ne trouveras pas mieux que moi, je te le garantis. Reviens plus tard si tu changes d'avis. Ouais. Je sais pas. Hein. Je veux vendre mes trucs absolument là. Poste. J'arrive. Ah, donc. Allez. Tu veux acheter un coffre-fort? Je sais pas. Je pense pas, non? J'aimerais juste vendre. General Store, voilà. Allez là. Commerçante. Nous ne reprenons pas les marchandises, mais qui rapporterait de si beaux articles? Ah bon? Oh, quand même, va bien acheter mes trucs. Oui, c'est bon. Vendre toute la camelote. Hop là, tu me fais plaisir là. Tu me fais plaisir. 423. J'achète un cheval. On va aller voir. C'est dangereux de voyager seul. C'est lui, Albright. Ouais, montez sur moi. Jane, on m'a parlé de tes enfants, les salopards. Ça me démange de tuer quelques Stillwater. Tu m'emmènes avec toi? Recruté. Hop là, il est avec moi comme ça. Ce groupe est très prometteur. Vous pouvez parler aux membres de votre groupe à tout moment pour voir leur inventaire et leur demander de s'équiper d'une autre arme ou même les exclure. Vos compagnons s'équiperont et utiliseront les gilets et les pansements que vous leur donnerez. Pas de panique. Si l'un de vos compagnons meurt au combat, l'Ouest regorge de danger et vous pourrez toujours recruter quelqu'un d'autre au saloon. Ok. Ah, et puis il me suit tout le temps, ok. Écurie. Attends, je vais aller voir la femme du forgeron également. Elle est où la femme du forgeron? Ah, il fait jour, cool. Ah, c'est là. On entend croiser, c'est un mauvais présage. Bonjour. Jane! Mon Jeffrey, tu me l'as ramené sans et sauf, moi qui croyais qu'il n'y avait plus de braves gens dans ce monde. Tiens, prends ce caresse des esprits Quill and Mayley, le précieux revolver de notre famille. Si tu as besoin de l'améliorer, améliore tes armes. Apporte du minerai à mon mari, il fera chanter ton arme. Ah, j'en ai du minerai en plus. Oh, j'ai pas tout ramené. Ça va. Pépite d'argent. Pépite de cuivre. Oh, j'ai eu peur. Alors, fais voir cette arme. J'aime. Elle est rigolote.
C'est un revolver. J'en ai déjà. C'est con. Je vais mettre dans mon... Ah oui, d'accord, c'est celui-là, moi, en mieux. D'accord. Est-ce qu'on peut les vendre, du coup? Forger. Un goût d'argent. Ah ouais. Attends, c'est ouf. Vous êtes sérieux, là? Attends, on récapitule. Hein. Lingot d'argent. C'est 10 à la vente. J'en ai 2. Et si je le vends, c'est 30. Enfin là, ça me ferait 20 si je vends les 2. Et si je vends un lingot, c'est 30 à la revente. C'est intéressant. Et du coup, qu'est-ce qu'il disait ? Sur le truc, vous pouvez aussi vous remplir les poches en les revendant à une banque. Fondez-en deux pour obtenir une barre d'argent. Okay. Fondez-en 9 chez un forgeron pour améliorer les armes de cuivre en armes d'argent. D'accord. J'imagine que les armes de cuivre, c'est ça. Ok, ok. C'est pas mal, hein. Et il rachète pas mes armes alors, c'est con. Chevaux et déplacements, vous pouvez acheter un cheval. Oui, j'ai le cœur en ville. Les chevaux augmentent la capacité de votre inventaire, permettent de se déplacer plus rapidement et peuvent vous aider à éviter les embuscades sur la route. Contrairement aux chevaux volés, ceux que vous achetez ne s'enfuiront pas lorsque vous arrivez à destination. Je veux un cheval. Comment ça, c'est ma mère? C'est toi, tu as un regard étrange. Votre mère. Fille, est-ce que ça va? Tu te comportes bizarrement ces derniers temps. Genre c'est... Quelque chose n'a pas, fille, c'est juste que... Mon petit trésor qui essaie de sauver l'Ouest. C'est intéressant, toi. Eh ben oui, je veux. Oh, un tout noir, presque. Je le veux. 249, lui. 294, beaucoup le plus cher. Il n'y en a que deux ? Le noir me va bien. Ouais, j'ai un cheval ! Interagissez avec votre cheval pour accéder à ses sacoches et stocker des objets ou pour le sceller et vous rendre dans d'autres lieux, même si vous êtes en combat. Sur la carte du monde, un cheval peut vous aider à éviter les embuscades. Et n'hésitez pas à vous servir de ses sacoches si vous achetez un nouveau cheval. Pendant la quête actuelle ou une quête ultérieure, vous aurez automatiquement accès à l'inventaire de votre ancienne monture. Dans la sacoche, cool. Donc, ouvrir la sacoche. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans, du coup? Le nounours, déjà. L'or. L'argent. Les crochets. Oh, je vais garder sur les crochets. Peut-être les garder, l'alliance, c'est pareil. Du cuivre. Belle, ça peut être pratique. On a toujours une de secours. Puis des armes, j'en ai beaucoup trop là. Ah mais 32 quand même, c'est pas mal hein. Ça, je vais voir si je peux les vendre. Non, c'est pas mal, tu restes là. Je pensais qu'il m'aurait racheté mes trucs, moi. Mais même pas. Après, c'est le forgeron, c'est pas le vendeur d'armes. On va aller voir. Tu cherches du travail, mon livreur est cloué au lit. J'ai du matériel de trappeur à livrer chez Dagger and Bones. On te paiera correctement, disons 50. Refusé pour l'instant. Ah bah voilà, on peut vendre ici. 2. Pour deux. Écoute, oui. Hein. Toi, tu me prends 2. 2. 10. 10. 2 et 2. Alors, attends. Est-ce qu'il y a un marchand derrière? Ouais, c'est lui. C'est cru.
Ah oui, c'est là où j'avais piqué le... J'avais piqué un flingue ici. Tu veux examiner nos marchandises? Ah, tu parles de... Ouais, bon, je te les rends. Celui-là, je vais le... Est-ce que je le garde? Fusil. Ma carabine, du coup, j'en ai déjà une. Ah bon. Revolver, j'en ai deux, du coup. Le hotbook, c'était le mien. T'as pu garder. J'en trouverai. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui aussi. Peut-être que je lui ai donné des trucs. Ah, on peut le mettre dans le cheval. Puis après voilà. Les prix. Ah là là. Fusil à verrou forester d'argent. 294. Comme un cheval. C'est mon cheval qui m'a suivi? Pas du tout. C'est pas moi ça. Ok, ok. Ouais, du coup, tu veux peut-être des trucs, toi? Je suis content de voyager avec toi. Très d'équipement. Steak de gibier, balle de pistolet, tôle de shérif. Je peux récupérer ça? Mais oui, excellent, bah écoute, je vais la vendre. Tu me laisses le choix, mec, pas de problème. Hein. Par contre, t'as qu'un fusil, ça, ça m'embête un peu. Allez, je te donne une belle arme. Hein. Revolver. Ah oui, il a un fusil avec des balles de pistolet, il est très fort. C'est quoi les balles? J'en ai pas. Bah c'est ça, il n'y en a qu'une par contre. Tu peux lui donner des pistolets? Poser. Ah j'ai bien perdu. Comment je lui donne des munitions? Un petit jet aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je le gave là. Il sera content. Mais je crois qu'il peut pas l'équiper ça. Je la récupère alors. Docteur. Minerva longue. Tu n'es pas dans ton assiette, tu as besoin de fourniture. Je préfère te venir. Plus tu signeras, plus ça coûtera. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Bon. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était sympa, hein? En vrai, bien cool ce jeu, j'aime beaucoup. Cheater. Gentil. Y'a personne dans le salon. Mis à part le mec qu'on a vu dehors, mais il coûte trop cher. De sa mission à lui. C'est
13ème de ta part, c'est une raison pour l'oge, j'ai pas en sorte qu'elle arrive entière. Tufaba va trouver Beverly Miller et remets-lui les marchandises à te dédommager. Ok. Un jour aussi. Attends, il y avait un truc dans la... Je fais juste ça, puis après on arrêtera. Quête de chasseuse de prime. Consulter à tableau de prime. Ah oui, c'est vrai que je peux faire ça aussi. L'église était où? Là. Il y a un truc dans le sous-sol que j'avais pas pu ouvrir. De prière. Oh là là, oh là là, oh là. Peace and change. Forever in balance. Voilà. Il va me casser lui ou pas? Ah non. Non, c'est bon. Des dollars, yes. Coupe de cérémonie. Ok, on en vendra. J'aime beaucoup ce jeu. Ouais, il est top, hein. Moi aussi j'aime. Clé du sanctuaire des discords. C'est où ça? Alors, on taille la route. On va y aller. Ah oui! Excellent ça! Martha Anderson, ranger des Stillwater, Band Stillwater. Cette personne est un membre. Connu des Stillwater, elle est recherchée morte ou vive. Dernière apparition, danse du pourceau. Frances White. Oh là là, compère de Jeffer. Chevauche avec les compères de Jeffer. Elle a participé à plusieurs massacres. De cuivre. Ok. Vas-y, je vais prendre pour voir. Enfin, elle. 9h et 4h. Mais là, c'est plus cher. Faut voir. Combien de temps? 15 jours? Bon, ça va, je peux tout apprendre. Ça, j'aurai plein de missions. Voilà, on a plein de choses à faire la prochaine fois. Et je continuerai du coup faire des lives sur ce jeu parce que j'aime beaucoup. C'est très stylé. C'est très très stylé. Bonne découverte. Demain, on fera du arc pour le coup. Ça va être sympa aussi, on va s'amuser. Et puis voilà, on fera du Weird West du coup. Weird West. Et hop. Nécessaire pour descendre dans le puits et autre endroit surélevé. Tous les voyageurs de ce nom ne partent pas sans elle. Ok. D'ailleurs, je peux pas acheter des cordes pour. Je peux utiliser sur un mec par exemple ça pour le. Parce qu'ils disent mort au vif. Et comment je fais pour récupérer un mec vivant en fait? C'est ça le truc. La banque. Petite merde. J'ai pas encore envie d'être quelque chose. Entrer le relais codé. Tu as trouvé le message de Stillwater, t'es rapide, dis donc. Un peu du relais pour le déchiffrer. Tu as gardé ton instinct de chasseuse de prime. Et oui. Toujours là-dedans, lui. Très bien, très bien. Mais c'était cool. C'est là-bas. Je vais mettre là, je pense. Allez, petite sauvegarde. Et petit quittage. Et merci à tous, en tout cas. C'était top. Weird Ways, c'était. C'était vraiment cool. J'ai bien aimé. Puis on en refera, du coup. Ce sera sympa, je pense.
Voilà, voilà. Et puis, bah, pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant des likes et des commentaires, et surtout à bien partager la vidéo autour de vous. Pour, du coup, faire découvrir ce jeu à d'autres personnes, par exemple, qui n'auraient pas... qui seraient passées à côté. Pour moi, très bonne découverte. Je suis très content. Du coup, on va continuer, et puis, ça va être sympa. Voilà, voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube MonkeyJV, surtout si ce n'est pas déjà fait, et à bien cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et nous, on se dit à très bientôt pour de prochaines aventures. Et merci à toi, Polo, et à bientôt. Salut, bye bye, et merci.